Il répond, 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 il
Amen.
Ce que j'ai envie de dire, c'est que nous adorons un Dieu vivant, un Dieu véritable. Ta parole ne manque pas. Tu ne peux pas approcher le Dieu véritable et tu es toujours comme tu étais 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, ça s'est passé quand? C'est quand elle est venue ici, comme ça, je n'ai pas bien compris. Lève le micro pour qu'on t'entende bien. Depuis dimanche. Dimanche dernier? Oui, j'étais en train de filmer, c'est pour la première fois qu'il venait ici. Oui. Et depuis, il avait toujours quelque chose qui marchait sur son pied. Oui, dès qu'il commence à prier à la maison. Oui. Oui. Et depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui, ne ressent rien. Amen. Papa, alléluia. Papa est en train de prier, mais nous allons prier encore. Amen. Nous voulons vraiment qu'il se lève et que le peuple ait dit, je ne sais pas comment ça va se passer comme il est alors là. Amen. Va trouver à sa place. Peuple de Dieu, levez-vous. Nous avons, notre Dieu, c'est le concret. La Bible dit qu'il est le véritable, le tout-puissant. Alors, si on a un Dieu véritable, un Dieu tout-puissant, quand on vient devant lui avec un fardeau, on doit rentrer sans ce fardeau. Alléluia. On va lui donner quoi? Papa, depuis dimanche, tu ressentais d'abord quoi avant? Parce que maman a fait le témoignage. Maman est venue dire ce que toi tu devais dire. C'était quoi exactement? Tu ressentais comment? Je sentais quand je priais, je sens plutôt peut-être des choses qui me frappent ici. Avant c'était ici. Ouais. Après ça a changé une place, ça vient ici. Ouais. Après ça revient ici derrière. Ouais. Derrière la fille, ça. Ouais. Est-ce que je suis venu dimanche? Que ton esprit de Pâques, Seigneur,
te prions pour ton serviteur. Seigneur, que ton esprit descende. Seigneur, voici ton enfant qui est venu dans ta bergerie. Il est venu et t'a servi directement. Seigneur, nous te confions que ton sang le purifie et que ton sang le couvre du sommet de la tête à la plante des pieds. Seigneur, comme il a commencé à s'investir, pas volontairement, Seigneur, soutiens-le par ton Saint-Esprit et qu'il continue à s'investir jusqu'à ta venue. Seigneur, ton œuvre a besoin d'ouvriers. Voici les ouvriers qui se déclarent tout seuls. Seigneur, nous te le confions. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Acclamons, acclamons. Acclamons pour le Seigneur. Sois béni. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Nous servons un Dieu vivant. Nous ne sommes pas dans les dieux qui sont les dieux de Baal. Ça peut être un Dieu qui agit dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de tous ceux qui rentrent ici. Amen. Amen. Selon notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Le témoignage fortifie. Le témoignage encourage. Le témoignage est un repère pour que nous comprenions que nous sommes dans le véritable, dans la bonne direction. Amen. 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 Nous allons donner la parole à une dernière personne. Est-ce que quelqu'un peut faire un témoignage pour honorer le Seigneur? Vous savez, le témoignage fait partie du culte. Le témoin, c'est une action de grâce. Tu dis solennellement ce que Jésus a fait pour toi. Il dit, oh, mon fils n'est pas ingrat. Ma fille n'est pas ingrate. Comme tu l'as fait, je te bénis encore. Amen. Amen. Maintenant, s'il n'y a pas un témoignage, on va bien. Il y a toujours, nous sommes d'abord un témoignage. Chacun de nous est un témoignage. Amen. 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 Alléluia. Amen. Moi, je vais témoigner mon Dieu parce qu'il est bon. Amen. Ça se passait, moi, début du mois passé. On avait un problème dans ma famille. En Afrique, c'était problème de décès. C'est ma grand-mère qui avait décidé. C'est moi qui porte son nom. Ils ont appelé, bon, j'ai écouté l'annonce le matin que ma grand-mère a décédé. Bon, j'ai fait comme si je n'ai pas écouté. C'était 23h quand ma famille est en train de commencer à m'appeler pour dire que tu es là, tu ne sais pas. Nous, en Portugal, on dit Chara, ta Chara a décédé. Moi, j'ai dit, oui, j'ai écouté. Alors, tu dis quoi? Tu as dit quoi? J'ai dit, j'ai rien à dire. Faites tout comme il faut, et après vous réalisez les funérailles. Après, ma tante m'a dit, on n'a rien ici, on n'a rien, on vous attend ici, là-bas, en Europe, pour faire quelques gestes, parce que sinon, ça ne va pas. Moi, j'ai dit, c'est bon, j'ai écouté, je vais aussi annoncer aux autres, après, nous allons savoir comment faire. Bon, c'était ça, j'ai dit à ma mère, je les ai dit par téléphone à maman, je les ai dit que moi, je vais contribuer, mais juste pour le cercueil. Si vous savez déjà que moi, je ne veux pas, et que mon argent, ça ne sera pas pour le cercueil, alors vous mettez pas dans votre liste. En plus, quand je vais contribuer, vous arrangez les manières, comment vous allez faire, comment vous allez présenter cet argent, parce que moi, je ne veux pas que vous mettiez mon cahier, mon nom dans le cahier, parce que nous, on a le système. Tout le monde peut contribuer, les chefs de famille prennent les cahiers et met les noms dans la liste. Ils ont m'assuré, ils ont dit non, c'est bon, personne ne va dire que c'est toi qui as contribué ou que c'est vous que vous avez contribué, tout et tout. J'ai envoyé, on a cotisé l'argent, on a envoyé de l'argent en Afrique. Ma sœur a pris de l'argent. Elle a fait toutes les démarches, elle m'a envoyé même les audios, elle m'a dit que tout va bien, on a fait, mais ça restait l'argent. Ils ont obligé que tous les enfants, il faut qu'ils donnent, chez nous là-bas c'est 25 000 points. Moi je l'ai dit, en plus il a bien classé, il a dit toi je vais mettre dans les cahiers 25 000 points pour tous chacun, 25 000. Mon téléphone... il y avait problème d'audio, j'avais pas entendu. Mais 23 heures, mon esprit m'a réveillé.
Et j'ai envoyé le transfert, le téléphone, le message dans le téléphone de ma fille. Et j'ai écouté le message. Je vous dis, mes frères, je suis devenu fou de Saint-Louis cette nuit-là. J'ai commencé à appeler tout le monde, je l'ai dit. Et puis c'était à la veille, il faut que je présente l'argent le matin trop tôt. Parce que les jours suivants, c'est le jour des funérailles. J'ai commencé à dire à ma soeur, j'ai appelé, ne couche pas, j'ai appelé les autres. Et l'autre, quand il a entendu ça, il m'a dit, lorsqu'il a attendu ma réclamation, parce que j'ai dit, je vous dis déjà de ne plus mettre mon nom dans les cahiers, il m'a dit, ah, toi tu vas le prendre comme un voleur. Moi j'ai dit, mon Dieu, moi j'ai dit de ne pas mettre mon nom dans les cahiers, je n'ai pas dit qu'il est voleur, c'est simplement ça. Je commençais à appeler mes cousines, j'ai dit, dis-le, de ne pas mettre mon nom, ça fait c'était une urgence. Alors ma soeur, elle n'a pas pu ça dans une bonne. Ma mère a dit que je l'ai manqué jusqu'à aujourd'hui, je ne vais pas répondre à mes appels. Mais gloire à Jésus, ils n'ont pas pris mon nom dans les cahiers. Après les funérailles, c'était la nuit. Après les funérailles, ils ont dit que quelqu'un qui a donné cet argent, ils ont inventé quelque chose, ça s'est bien passé et ils ont fait tout en Afrique. Mais après les funérailles, je suis endormie, je me suis dormie. C'était bien, j'ai fait ma prière, j'ai monté sur mon lit, j'ai commencé, je vous dis, mes frères et sœurs, ça c'est la deuxième fois qu'il m'arrive, mais cette fois c'était dans une autre façon. Je suis couchée et j'ai commencé à voir un sommeil profond. Là, je me suis dit dans les songes, dans les sommeils, j'ai dit que je pars, je laisse mes enfants. Je pars, je laisse mes enfants parce que c'était pas un sommeil, c'était la mort. J'ai vu la mort dans mes yeux, j'ai commencé à aller. En plus, ça a changé de dimension. À chaque fois, mes yeux, ça devenait plus lourd. C'était pas la nuit, juste que je me suis couchée. Mes yeux, ça devenait lourd. Et mes pieds, je suis tombée paralysée. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi de moi, passe mes enfants. Seigneur, je sais que je pars, mon âme part, parce que à chaque seconde, je vous dis, c'est pas minute, mais seconde, j'ai commencé à voir mon âme à partir. J'ai dit, Seigneur, je sors de mon corps, souviens-toi de moi, passe à moi, passe à mes enfants. J'ai dit, Seigneur, passe à mes enfants. C'est là, je vous dis, j'ai eu une force, j'ai dit, je sais pas comment vous expliquer, j'ai bougé mon pied et ma main. Je suis revenue à moi. J'ai dit, Seigneur, je me suis revenue à moi. Je me suis réveillée. J'ai dit, Seigneur. J'ai dit, non. Cette nuit, je vous dis, je n'ai pas dormi parce que j'ai dit, si je dors, je vais mourir. C'était pas songe. C'était vraiment que j'ai commencé à partir. Je vous dis, mes frères et sœurs, quand les serviteurs des gens nous disent de ne pas contribuer, il faut obéir. Il faut obéir parce que moi, j'ai failli perdre ma vie à cause de ça. Depuis ces jours-là, aucun de mes frères m'appelle. Aucun de mes sœurs m'appelle. Aucune de mes sœurs qui m'appelle. On m'a laissé comme ça. Moi, j'ai rendu gloire à Dieu. C'est elle qui a reçu l'argent, qui a fait tout les démarches. Il ne veut pas m'appeler. Je l'ai laissé une audio. Je lui ai dit, après, tu m'appelles. Comme toi, tu ne veux pas décrocher mon téléphone, mes appels, toi, tu m'appelles. Jusqu'à aujourd'hui, mes frères et sœurs, ils ne m'appellent pas. Je rends gloire au Seigneur parce qu'il m'a gardé, il m'a sauvé, il a entendu ma prière. Amen. Amen. La soeur nous a expliqué, elle n'a pas voulu s'impliquer aux cérémonies traditionnelles de la tradition de la famille. Elle a bien voulu être généreuse, participer aussi parce que le Seigneur nous demande de soutenir nos familles, mais elle n'a pas voulu, puisqu'elle est l'homonyme de la décédée, que son nom soit écrit dans le cahier et qu'elle soit impliquée aux cérémonies de funérailles, c'est bien cela. Mais elle nous explique également que après ça, l'esprit de mort a failli l'emporter, c'est après l'inhumation de la défunte. Donc, elle fait ce témoignage-là de ce que le Seigneur est venu à son secours. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Merci aussi pour ce témoignage-là. Nous comprenons qu'il y a un lien
il y a un lien avec les esprits de famille. Surtout quand tu as porté le nom de la personne qui est partie et que tu t'investis au funérailles et tout le reste, il y a un lien à ça. Le Seigneur nous demande, nous avons déjà eu un enseignement là-dessus, sur la participation. On n'a pas de ne pas envoyer des sous, on n'a pas de ne pas envoyer des sous. On demande de ne pas qu'on s'implique vraiment dans l'organisation, dans les cérémonies traditionnelles. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un veut chanter? Maintenant, on va passer à l'invitation. Mais il chante. Quelqu'un veut chanter. S'il n'y a pas de témoignage, là, c'est demain un chant. Un chant là, sur mes grâces. Est-ce qu'il veut chanter pour le Seigneur? Qui veut chanter? Pas les chants, hein. Ah, les chants. Là, c'est les professionnels. C'est les professionnels du chant. Est-ce que quelqu'un veut chanter pour le Seigneur? Amen. Aujourd'hui, personne ne veut chanter pour le Seigneur. En fait, on veut tous chanter au même moment. Proposez-vous un chant. On va se lever, on fait un chant et on va méditer. Amen. Amen. Ce que Jésus m'a dit, ça m'a accompli. Ce que Jésus a dit, ça m'a accompli. Jésus. Amen. Assez en vous.
Alors, dimanche dernier, nous étions ensemble et nous serons toujours ensemble. Amen. Et la volonté est que nous serons toujours ensemble jusqu'à l'éternité. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu as bien fait d'être ici aujourd'hui. C'est la place où tu devais être. Amen. Tu as travaillé 6 jours. Tu es monté, tu es descendu. Et le 7e, tu as dit, non, je ne veux pas être avec les copains quelque part. Je ne veux pas être avec les mamans à la cantine, à la réunion de famille. Non, je ne veux pas être. Non, je veux aller adorer le roi des rois. Amen. Amen. Tu as bien fait. Le roi des rois est là. Le Seigneur Jésus est là. Sa présence est là. Et nous allons ouvrir la parole. Nous allons ouvrir la parole pour lire ce qu'il veut nous dire pour aujourd'hui. Ouvrons prenons nos épées dans le livre de Matthieu au chapitre 6, le 27-33. Avant que nous ne lisions le Matthieu chapitre 6, verset 33, avant que nous ne lisions, je voudrais quand même vous préciser que le frère Jean-Baptiste avait prévu un repas spirituel. C'est lui qui devait présenter ce repas, cette invitation aujourd'hui. Et le combat est rude. Donc il est en plein combat. Et l'ennemi n'a pas voulu, mais il est vaincu au nom de Jésus. Amen. Mais comme nous sommes des soldats, le soldat doit toujours être prêt. À tout moment, on peut t'appeler, on dit la guerre a commencé, tu te lèves seulement, tu mets la tunique et tu vas en guerre. Amen. C'est dans cet esprit que le frère Josué est assis là. Il est venu, il croyait qu'il va s'asseoir là. Je lui ai dit, frère, aujourd'hui là, tu vas t'asseoir ici. Et le Saint-Esprit l'a dirigé dans tout ce qu'il a fait. Amen. C'est dans cet esprit que nous allons aussi continuer. Est-ce que quelqu'un peut lire dans le nom du Seigneur Jésus, Matthieu chapitre 6, verset 33, la personne se lève, prend le micro et lit. Matthieu 6. Il faut mettre, vous pouvez parler dans le micro, merci. Amen. Matthieu 6, verset 33. Je lis la parole avec un grand respect. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. 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 Bien, relis encore fort, qu'on comprenne bien. Parce qu'on lit ce passage tous les jours, amen, mais on ne le comprend pas. Parfois, on n'entre pas dans la profondeur de cette parole. Amen. Voilà. Cherchez, la directive. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses. Mais de quelles choses il s'agit, pour le comprendre, disons le verset 31. Remontons un peu. Verset 31, parce que nous avons lu le verset 33. Maintenant, le verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Continuez. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Amen. Bien-aimé, quand je suis venu ce matin et que j'ai échangé avec le serviteur, j'ai dit, mais Seigneur, moi j'ai pas prévu parler au peuple ce matin. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai dit, ok, bon, Seigneur, Saint-Esprit, conduis-moi. Conduis-moi, je me suis assis, c'était mon but, m'asseoir sur le canapé là, j'ai ouvert, tac, j'ai dit, ok. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler. Il parle à ses disciples. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait certainement un problème au sein du peuple. Mais ce problème n'est pas fini. Nous avons des besoins.
On a besoin, on cherche parfois la maison. Il y en a qui cherchent la maison, il veut la maison, il ne trouve pas. Il fait toutes les procédures, il a tout ce qu'il faut pour trouver la maison en France, c'est dur de trouver la maison. Il cherche le travail, il cherche. Bref, nous avons des besoins. Chacun de nous a un besoin qui est déjà satisfait ou qui n'est pas encore satisfait. Mais le Seigneur qui nous dit, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Bien-aimés, on a besoin de vêtements. Même quand on va à l'évangélisation, si tu vois une personne bien vêtue, toi tu as un lambeau, tu vas lui dire, Jésus t'aime. La première chose qui m'a fait mal, on peut regarder, Jésus même, mais il y a un truc qui ne va pas. On est d'accord? Si tu veux prêcher l'évangile à quelqu'un, et que tu dis, Jésus veut que tu sois dans la joie, et que toi tu n'es pas dans la joie, et que regarde avec aïe, il y a un truc qui ne va pas. Mais si tu as faim là, tu vas porter ta Bible là, tu vas aller prêcher, ton âme que tu as faim, c'est-à-dire, ça donne, on va voir que non, il y a un truc qui ne donne pas. Le Seigneur qui nous dit, ne vous inquiétez donc point de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, parce que le Seigneur s'en occupe. Le Seigneur s'occupe de cela. Il continue, il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Je causais avec la sœur quand nous sommes retrouvés. Rappelle-moi ton nom, excuse-moi. C'est pas pour bien rentrer. La sœur Rachel. Ah, la sœur, en plus, le nom de ma fille. Je salue la sœur Rachel, ma fille au Cameroun, qui est aussi investie dans l'œuvre du Seigneur. La sœur Rachel me racontait, j'étais en train de discuter, elle me racontait et tout, on s'échangeait. Elle me dit, non, j'ai cessé de prier pour tel sujet, parler de quelque chose. Et j'ai cessé de prier dessus, parce qu'on m'a dit que quand tu pries trop sur un truc là, le Seigneur a déjà compris. Maintenant, je prie pour les autres et le Seigneur va s'occuper de mon problème. Et moi, j'ai appris en disant qu'effectivement, le Seigneur sait que tu as besoin de cette chose-là. Le Seigneur nous connaît, il sait de quoi nous avons besoin. Mais pourquoi est-ce que ces choses n'arrivent pas au moment où nous lui demandons? Au moment T, à l'instant T. Parce que peut-être qu'il se dit que cette chose-là n'est pas prioritaire. Au moment où nous lui demandons la chose. Papa, tu es en train de demander quelque chose au Seigneur, là. Ça tarde à venir. Je veux me marier. Je veux des choses. Je veux la voiture comme mon voisin. Je veux changer ma garde-robe. Mais le Seigneur te dit ce matin, cherchez premièrement le royaume et la justice. C'est-à-dire que notre préoccupation première, les vrais enfants de Dieu, les véritables, les authentiques là, vrais authentiques comme nous sommes, notre préoccupation, c'est-à-dire quand on dort la nuit, notre préoccupation n'est pas trop sur les vêtements que nous allons porter pour venir au culte. Parce que nous savons que nous aurons les vêtements. C'est une certitude. Notre préoccupation ne doit pas être trop sur ce que nous allons manger le lendemain. Parce que si tu ne manges pas là, tu vas dire à Dieu, Seigneur, mais il y a un problème. Moi, je m'occupe de tes affaires. Je vais à l'évangélisation. Je fais l'intercession. Je vais aux répétitions des chants. Mais normalement, je devrais aussi avoir de quoi manger. Je devrais aussi avoir de quoi boire. Bon, cela ne veut pas dire que ça va tomber aussi du ciel. Ça veut dire qu'il y a aussi une organisation à mettre en place. Le Seigneur parle ici de préoccupation. Il ne parle pas d'action. Parce qu'il y a un temps pour aller à l'église, un temps pour servir, un temps pour faire l'œuvre de Dieu. Il y a aussi un temps pour travailler. L'apôtre Paul ne travaillait-il pas? Mais il était investi dans l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ était aussi investi dans l'œuvre du Seigneur, mais il travaillait aussi en tant que charpentier. Moi, je parle ici de la préoccupation. De la préoccupation, du souci. Quand tu dors la nuit, le premier souci que tu as, c'est lequel? C'est que si Jésus revient maintenant là, est-ce que je suis sauvé? C'est de la préoccupation dont je parle. Il faut bien comprendre mon discours. Cherchez premièrement le royaume. Mais comment on cherche le royaume? Donc cherchez premièrement à entrer au ciel. Cherchez premièrement à ce que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Cherchez aussi la justice.
Et toutes ces choses vous seront données. Ça veut dire qu'en réalité, une personne qui marche dans la sanctification, une personne qui marche dans la vérité, mais qui connaît aussi Dieu, les choses vont arriver de façon naturelle, au moment venu. Mais si tu es plus préoccupé à d'autres choses qui ne sont pas le royaume et la justice de Dieu, tu risques de passer à côté de l'essentiel. Bien sûr, si tu cherches la richesse, c'est possible que tu deviennes très riche. Mais tu n'es pas très certain que tu iras au ciel si le Seigneur Jésus revenait. Tu n'es même pas très certain que tu profiterais aussi de cette richesse que tu as cherché à amasser à ce moment. Le Seigneur nous dit ce matin, cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu. Par quoi? Lisons Hébreux chapitre 12, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 12, verset 14. Moi, c'est la phrase que je veux vraiment faire entrer dans nos cœurs. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses nous seront données. Mais comment on cherche le royaume et la justice? Comment on cherche le royaume et la justice de Dieu? Comment on la cherche? Hébreux chapitre 12, le verset 14. Amen. Je lis la parole de Dieu avec le mystère. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Répète s'il te plaît. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Recherchez la paix envers tous. Et quoi? La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé, l'affaire est sérieuse, hein? L'affaire est grave. C'est pour ça qu'on dit que nombreux sont appelés et peu seront élus. Parce que c'est là où le truc commence. Ça devient sérieux. L'Évangile nous a tous appelés. Nous sommes tous appelés au salut. Nous sommes dans la sainte doctrine. Mais est-ce que nous vivons la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit? On ne va pas rentrer parce que les ministres, nous avons beaucoup d'études sur la sanctification. Nous avons beaucoup d'enseignements sur toutes ces choses-là. Mais il faut les lire. Il faut connaître, savoir ce que c'est que la sanctification. Parce que si tu n'es pas sanctifié, ça c'est sûr. Parce que si Dieu est fidèle dans ses paroles, il va aussi faire en sorte que cela s'accomplisse. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Bien aimé, c'est une affaire sérieuse, je répète. Nous devons nous sanctifier. Cela ne veut pas dire que nous devons vivre dans la tristesse, parce que j'observe parfois les chrétiens qui sont dans la sanctification, dans la sainte doctrine, je ne vois pas la lumière du Seigneur en eux. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un, c'est comme s'il est contraint. C'est comme si, depuis qu'il a fait la sanctification, il est devenu triste. Il n'est plus gay comme il était avant. Non! La sanctification, c'est la liberté en Jésus. La sanctification, c'est que tout ce qui était les contraintes de la vie, tu avais la contrainte. Si je ne porte pas le dernier, lui dit-on là, non. Le Seigneur va venir t'enlever ces choses. Ce sont les rudiments de ce monde. Ton visage, ça brille, ça va encore briller deux fois plus. Parce que tu es devenu libre. Libre des choses du monde. Libre de grandir-t-on. Oh, mais cette dame que je voyais souvent, toujours bien mise et tout et tout. Qu'est-ce qu'elle a à mettre le gros tissu là sur sa tête tout le temps. Mais ma soeur, toi qui venais souvent le soir, on s'asseyait là, on parlait de tout et de rien, maintenant tu joues prier là. Oh, tu es maman pasteur, tu veux dire que tu ne pries plus que qui? En fait, la sanctification, c'est vraiment laisser, quitter toutes ces choses-là, se mettre à part pour servir le Seigneur, mais en toute liberté, dans la gaieté, dans l'amour, dans l'épanouissement. Moi, je suis parfois triste quand je vois dans la sanctification, les personnes qui viennent à la sanctification, tu vois son visage n'est plus rayonnant comme avant. Moi, ça me dérange un peu. Parce que je me dis que
quand je viens devant quelqu'un, il faut qu'il voit un chargement. Parce que moi, je faisais la musique avant. Je chantais, je passais à la télé au Cameroun. J'étais dans ces choses-là. Vous savez, tout ce qui est derrière la musique, tout ça. Mais depuis que le Seigneur m'a appelé dans son service, je fais un effort pour qu'on ne dise même pas que, mais non, il faut toujours rester pour que la personne elle te voit. Tu dis, oui, mais moi, je suis maintenant dans la sainte doctrine. Qui ne voit pas un changement, mais qui ne me verra plus là où il me voyait avant. Quand on cassait encore nos 3-4 litres de bière, nos 3-4 champagne, quand on était encore au milieu de toutes ces choses-là. Parce que je suis devenu libre, je ne suis plus attaché à ces choses-là. Et mon visage, je marche dans la tête droite, pas de culpabilité. Il ne peut même plus m'appeler. Amen. Donc le Seigneur nous dit que nous devons chercher la sanctification. Il ne faut pas être des chrétiens hypocrites. Quand je suis là, oui ma soeur, mais le soir, oh Gisèle, à l'église, hé, hey, soeur Rebecca, mais le soir, eh oui, Gisèle. Le soir après 18h c'est Gisèle, et le dimanche matin c'est soeur Rebecca. Hein? Évangéliste Samuel. Didier, ça vient. Non. Si tu fais ça, tu es dans l'hypocrisie et tu vas perdre l'élection. 1 Pierre chapitre. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 7. 1 Pierre 1. Donc le Seigneur nous dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Ça veut dire que personne ne sera sauvé. Si tu n'es pas sanctifié, si tu ne marches pas dans la vérité, si tu ne fuis pas les souillures du monde, tu ne seras pas sauvé. Il faut dire cette vérité. Nous, on ne prêche pas l'évangile qui caresse au sens du poil. Nous prêchons l'évangile de la vérité. Parce que c'est dans la vérité que nous sommes affranchis. Amen. Oui, 1 Pierre chapitre 1, verset 16. Alléluia. Amen. La parole le dit. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. 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 Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et le Seigneur ajoute encore, vous serez saints car je suis saint. Pourquoi on s'est fait vraiment sérieuse? Nous avons parlé des choses qui nous souillent. Du culte, le culte que nous rendons à Dieu dimanche dernier. C'est la continuité. C'est un autre culte en fait. Nous devons être saints. Mais comment alors un homme peut être saint? Puisque la Bible nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais comment donc nous devons être saints? C'est un peu contradictoire parce que le Seigneur a dit que si on n'est pas saint, on ne peut pas être sauvé. Et il a dit, vous serez saints car je suis saint. Mais la Bible me dit également que nous avons tous péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais comment est-ce que ça va se passer? Ce qui est possible à l'homme est possible à Dieu. 1 Jean, nous allons rester dans 1 Jean, nous allons lire 1 Jean au chapitre 1, verset 7. 1 Jean au chapitre 1, verset 7. Oui. 1 Jean au chapitre 1. Verset 7. Amen. Il est écrit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lumière dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Amen. 1 Jean, le chapitre 1, le verset 7. C'est bien ce que vous avez lu? Oui. Parce que dans ma version ici, j'ai bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien. C'est le chapitre 2. Merci beaucoup. Je suis ailleurs. Merci ma soeur. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et quoi? Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le Seigneur dit, vous serez saint car je suis saint. Mais la Bible dit que je suis
que j'ai péché, j'ai supprimé la gloire de Dieu. Mais ici là, nous comprenons que si nous marchons dans la lumière, marcher dans la lumière, c'est quoi? C'est marcher dans la vérité. Ça veut dire que marcher dans la vérité de l'engagement que j'ai pris. Je prends un exemple d'une caissière. Quand tu finis de faire la caisse le soir, l'argent qui reste là, c'est pour toi ou c'est pas pour toi? C'est-à-dire que quand le client est passé en caisse, il est resté 2 euros, 1 euro, 50 centimes, il dit, alors, c'est bon. L'autre dit, il y a peut-être 10 ou 20 qui disent ça. Ce qui reste là, c'est pour toi ou c'est pas pour toi? C'est pas pour toi. Nous devons marcher dans la lumière. Là, je parlais du vol. La lumière, c'est marcher dans toute la vérité, dans toute la sincérité possible. Je racontais encore une expérience que j'ai eue ce matin. Je suis arrivé au niveau du tram. Mon train était à 6h58. Il était 6h30. Et le prochain tram devait arriver près de 3 minutes après. Et tu vois le tram arriver. Je suis arrivé là. Il fallait que je paye pour entrer. Et si je me mettais à payer, je devais rater le tram. Et je devais aussi rater le train. C'était très compliqué, n'est-ce pas? Alors moi, j'ai commencé à prier. Je me suis dit, cette histoire, c'est compliqué. Très compliqué. Et je ne peux pas vous dire à combien j'ai acheté le billet de train pour arriver à Paris. Alors j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, vraiment, je suis coincé. Qu'est-ce que je fais? Si je ne prends pas ce tram, voilà ce que Dieu me dit. Ce que tu fais maintenant, c'est que tu vas prendre le tram et tu vas payer, tu vas acheter le ticket, tu achètes 2 tickets et tu déchires le ticket. C'est ça qui était dans ma tête. C'est-à-dire que je devais entrer et dès que je sors à la gare, j'achète 2 tickets et je déchire le premier ticket. Je dis, Seigneur, mais l'affaire là, je suis entré, je me suis assis, j'étais vraiment déterminé à le faire. Après, l'esprit me dit, ok, regarde dans ton sac, tu as un ticket. Tu prends le ticket. Il dit, quand tu sors maintenant, valide ce ticket. Je sors donc, quand je valide le ticket, je me rends compte que j'avais encore un voyage dans le ticket. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu seront toujours confrontés à des situations très ambiguës, très compliquées. Dimanche dernier, nous étions à la gare, vous savez. Mais c'était compliqué parce que le frère avait le ticket, mais ce n'était pas le ticket qui devait arriver à Beaumont. Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, ce que je veux expliquer ici, c'est de marcher dans la vérité. Ça va te pénaliser, mais tu dois marcher dans la lumière. La lumière, c'est la vérité. Même si ça te pénalise, même si tu marches à pied, mais si tu es avec le Saint-Esprit va te montrer le chemin. Quand tu es dans la sincérité, tu es dans la vérité. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. C'est de ça que je suis en train de parler. Parce que ton intention n'est pas de voler. Ton intention n'est pas de tricher. Tu es un enfant de lumière. Alors tu es en communion avec le Seigneur. Tu es en communion. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne va pas comprendre ce qui se joue là. Ne va pas comprendre que le Messie n'a pas... Parce que moi, je suis arrivé honnêtement, j'avais tellement honte dans ce tram-là. Mais le Seigneur sait que j'étais embarrassé et que je devais aller valider à ma sortie. Donc nous sommes en communion avec le Seigneur si nous marchons dans la lumière. Mais si tu vas dans un esprit corrompu, il n'y a pas les contrôleurs, je vais quand même entrer. Seigneur, tu sais que je n'ai pas l'argent. Seigneur, tu sais que, parce que là, tu es le Seigneur, tu sais que les enfants de Dieu ne doivent pas marcher dans la compromission. Les enfants de Dieu ne doivent pas marcher dans le Seigneur. Tu sais que les enfants de Dieu doivent marcher dans la lumière. Pour que nous soyons en communion avec le Seigneur, nous devons toujours marcher dans la lumière. C'est-à-dire avoir des intentions pures. C'est ça, marcher dans la lumière. Être parti toujours dans une intention de pureté, de vérité. Nous allons lire un autre passage, 1 Pierre, toujours 1 Pierre, le verset 1. Chapitre 1, verset 16, je ne sais pas si on vient de le lire ou pas. Un Pierre. Chapitre 1er. 1, verset 16. Verset 16. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Ouais, on vient de le lire là. Oui.
Oui. C'est bien cela. Amen. Je suis revenu dessus. Amen. 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 1 Pierre chapitre 4, verset 12. 1 Pierre chapitre 4, verset 12. Alléluia. Bien-aimé, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Amen. 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 Bien-aimé, ne soyez pas surpris comme d'une fournaise étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Verset 15, je vais continuer, bien-aimé. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen. Amen. Il n'est pas facile de vivre dans la sanctification. Hein. Si ceux qui ont dit que l'on vit dans la sanctification, c'est facile. Vraiment, ce n'est pas facile à la vérité. Mais c'est facile avec le Saint-Esprit. Amen. Mais le Seigneur nous éprouve. Quand tu éprouves quelqu'un, ce n'est pas ta tentation, c'est de l'épreuve. Éprouver quelqu'un, c'est voir, c'est mettre cette personne en situation pour qu'elle vous donne la preuve de quelque chose. Je vais éprouver ta foi. Le Seigneur veut éprouver parfois notre foi. Si on donnait le micro à quelqu'un ici ou à chacun de nous ici, nous savons qu'on va raconter quelque chose, une épreuve. Une épreuve qui m'est arrivée hier, une épreuve qui est arrivée au frère Jean-Baptiste aujourd'hui, hier soir et aujourd'hui, une épreuve qui est arrivée à un tel et à un tel et à un tel. Nous aurons toujours des épreuves, et nous aurons toujours des tentations. La Bible dit, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive. Que cela ne vous surprenne pas, que cela ne vous surprenne pas, parce que le chrétien, c'est à ça qu'il est appelé. Pourquoi? Parce que l'ennemi, lui, il a perdu son élection. Mais nous, notre élection est encore là. Et il veut tout faire pour que nous aussi nous perdions notre élection. Et donc, il y a de la fournaise. Il y a des difficultés. Si chacun pouvait ouvrir son ventre aujourd'hui, je pense que tu dirais que normalement, mon problème est petit par rapport à son problème. Si chacun pouvait dire sa situation. Mais le mystère de la foi chrétienne est que, au-delà des épreuves, au-delà de toute l'espérance que nous avons en nous est tellement grand. C'est pour ça qu'on dit, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Nous espérons au retour de Jésus. Nous espérons que quand le Seigneur va arriver, ces épreuves, ces difficultés, ces contraintes, ces souffrances seront passées. Et la récompense de la gloire à venir n'est rien comparable à la situation de ce moment. Amen. Amen. Le Seigneur nous dit dans Jean chapitre 14, Jean au chapitre 14, du verset 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. Jean chapitre 14, du verset 1 au verset 3. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous reprendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. 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 Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça signifie simplement que face à toutes ces situations, face à toutes ces épreuves, nous devons rester focus. Nous devons rester focalisés. Parce que si tu te laisses troubler, comme c'est Pierre, quand le Seigneur Jésus-Christ marchait sur les eaux,
et qu'ils voyaient venir l'ombre. Ils avaient peur. Ils voyaient le démon. Et, ah, c'est le fantôme, ah, c'est le démon. Ils disaient, non, c'est moi. C'est moi le Seigneur Jésus. Il dit, si c'est vraiment toi, ordonne que moi aussi je vienne. Mais le Seigneur lui a dit, mais viens. Et il a commencé aussi après comment à marcher sur les eaux. Mais la Bible nous dit qu'il y a eu le vent, il y a eu la tempête. Et il s'est distrait. Au moment où il s'est distrait, il a eu peur. Son cœur s'est troublé. Et quand le cœur se trouble, qu'est-ce qu'il fait? Il a commencé à plonger. Si nous nous troublons, si nous nous laissons déstabiliser, si nous n'avons pas le visage, les regards fixés à Jésus, de façon sûre et certaine, le cœur va troubler. Nous allons nous rappeler que, ah, ma vie avant, j'avais quand même quelqu'un qui payait ma maison. Hein. Là, maintenant, je n'arrive plus à payer ma maison, le cœur s'est troublé. C'est-à-dire, on commence à douter. On commence à douter des promesses. Mais avant, là, ce n'était pas comme ça. Depuis que je suis dans Jésus, je reviens, c'est compliqué. C'est compliqué. Peut-être je vais retourner dans ce que je faisais avant. Parce que là, c'est chaud. Mais la Bible te dit non, que ton cœur, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Sauf que, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Ce n'était pas, je vous aurais dit. Je vais préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Qui a cette conviction ce matin? Qui a cette conviction? Quelle conviction? Si tu n'as pas la conviction que Jésus, il est allé, il va venir me chercher, baisse la main pour prier pour que la conviction soit là. Mais celui qui a la conviction, qui lève la main. Amen. Nous allons prier là-dessus après. Baissez la main. En fait, la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est parce que nous avons l'espérance de la vie éternelle. C'est parce que nous croyons que Jésus va revenir. Et le système actuel, la vie que nous voyons là, les systèmes de gouvernement, tout ça va finir. Et nous allons vivre un autre monde. Moi, c'est pour ça que je suis là. Parce que moi, ce que je vivais avant là, c'était bien. Hein? Mais je n'avais pas l'espérance de la vie éternelle. Je vivais toujours des difficultés. Quand il dit c'était bien par rapport à l'homme qui va mourir, à l'homme qui est condamné, à l'homme qui devait aller en enfer. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. Je vous fais ce petit témoignage. Quand je suis venu en France, je ne venais pas en France pour rester. J'avais créé l'association de lutte contre le tabagisme, Action contre le tabac. Et je travaillais dans une entreprise où j'étais le responsable des contrôles publicitaires extérieurs. Et nos patrons fumaient tellement dans le bureau. Ils fumaient. À un moment donné, c'était tellement gênant. Je ne sais pas, j'ai eu une inspiration de créer une association parce que j'étais allé sur Internet, j'ai commencé à lire les choses sur le tabac. Et j'ai découvert que le tabagisme passif, donc quand l'autre fume, a les mêmes conséquences que le tabagisme actif, quand c'est l'homme qui fume. Alors j'ai dit, mais il y a un problème. J'ai regardé dans ma ville où je vivais, il n'y avait pas d'association de prévention du tabagisme. J'ai dit, mais le pays, s'il ne connaît pas cette affaire, moi je vais être le premier à m'investir dedans. Donc je me suis exercé dans. J'ai promu, on a créé l'association Action contre le tabac et nous étions en train de mener nos activités normalement. Sauf que je m'étais rendu compte que n'ayant pas de formation, il fallait une formation. Je suis venu en France. Je me suis inscrit dans un DU de tabacologie. J'étais déjà artiste et je faisais aussi déjà dans les associations. Pour moi, selon l'homme du monde, ça marchait. Sauf que à un moment donné, j'avais prévu de retourner au Cameroun avec un nouvel album. J'ai fait le nouvel album avec toutes les technologies possibles. J'étais sûr que non, ça va marcher. Et à l'époque, ce que je lui dis, c'est que je fréquentais les ésotéristes. J'étais allé voir les ésotéristes, j'avais fait plein de trucs. Vous savez, les artistes, quand ils veulent sortir de l'album, il y a des choses que vous ne connaissez pas, qui font beaucoup de choses. Beaucoup de choses pour le succès de l'album qui va sortir. Alors, je suis tombé malade. Ici en France, je suis tombé malade. De 1h, de minuit à 3h du matin, j'avais un problème. C'est comme si un esprit qui venait et qui voulait me voler, qui voulait me tuer en fait.
Je sentais comme si je mourais, toujours entre minuit et 3 heures du matin. J'ai dit qu'il y a un problème. J'ai commencé donc, je me suis rappelé quand même. On dit que c'est dans la souffrance que tu te rappelles, tu apprends à prier. Je me suis mis à prier, j'ai commencé à prier. Les gens, ils priaient, je priais. Tu as appris sur Internet, je suivais les méditations, je suivais tout. La première chose, c'est qu'un jour, j'ai eu un rêve. Je me suis vu torse nu. Et sur ma poitrine, vous savez, il y a un fer là. Les gens qui ont les bœufs, qui ont les pâturages, ils marquent leurs animaux avec un fer qu'ils mettent au feu. Donc je me suis vu écrit sur ma poitrine comme si t'avais ce fer là, 666. Ça c'était le premier rêve que j'avais vu. J'ai dit, ça c'est un problème. Je sais que la marque 666, c'est la marque de la bête. Et c'est le rêve était tellement présent, tellement réel, que j'ai pris conscience. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à chercher Dieu. Et le Seigneur m'a fait passer par beaucoup de fois pour que j'arrive à l'église au message de la sanctification. Ce que j'ai tenté d'expliquer ici, c'est le parcours. C'est la vie qu'on menait avant et celle que nous menons aujourd'hui. Parce que nous voulons être sauvés. Si nous voulons être sauvés, nous devons mener une vie de sanctification. La vie de sanctification, pour moi, signifie que je dois quitter les choses que je faisais avant parce que je n'étais pas dans la sanctification. Pour moi, je me suis fait violence. Jusqu'à ce que le Seigneur, par sa grâce, me visite. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Qui peut changer de vie sans le Saint-Esprit? Sans de sa propre volonté, de sa propre force. Bien aimé, le message de ce soir, de ce jour, de ce matin, c'est la sanctification. Je suis entré là tout à l'heure, je vais terminer par ça. Quand je suis arrivé, j'ai guetté, j'ai regardé l'église qui était là. Elle était pleine. Mais j'ai observé aussi un certain nombre de choses. Je me suis dit, au Seigneur. C'est pour ça que nombreux sont appelés et peu seront élus. Peuple de Dieu, marche dans la sanctification. Sinon, la raison pour laquelle tu viens ici sera inutile. Est-ce que tu viens ici parce que tu cherches une sœur pour te marier? Est-ce que tu viens ici parce que tu cherches un frère pour te marier? Et quand tu vas te marier, tu vas retourner. Est-ce que tu viens ici parce que tu veux juste la bénédiction du travail? Le Seigneur va te donner ce travail-là. Mais ton âme, où ira ton âme au moment venu? Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est le message que nous prêchons. La repentance. Repentance. Sanctification. Et je vais revenir, je termine avec le Matthieu au chapitre 6, verset 33, que nous venons de lire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Restons focalisés dans le royaume. Seigneur Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les commandements de Élie, mon joug n'est pas lourd, mon joug est léger. Quand tu viens à Jésus, ne viens pas à Jésus avec ta force, avec ta volonté seule. Ta volonté est importante, oui. Mais viens à Jésus et abandonne-toi à Jésus, il va faire le reste. Ce n'était pas facile pour moi. Quand j'avais vu tout l'argent que j'ai mis dans la musique, dans le nouvel album, quand je passais, j'avais un nom d'artiste, je ne vais pas vous dire le nom d'artiste là. Parce que la personne est morte. Il est mort depuis. Et c'est l'évangile Samuel qui est né de nouveau. Amen. Quand j'ai vu, moi j'avais déjà fini, je vais laisser cette histoire, mais j'ai bagarré avec le Seigneur. J'ai dit non, je ne veux pas. C'est sûr que peut-être que ce n'est pas Dieu qui me parle. Mais le Saint-Esprit te convainc. Et quand tu laisses même ça, ça devient léger en fait. Et mais pourquoi même j'étais accroché à ça? J'avais dépensé certainement des millions en France CFA, mais aujourd'hui je ne regrette rien. J'ai quitté des amis et j'ai une famille. Amen. La Bible dit que personne ne quitte son père, sa mère et ses biens sans que le Seigneur lui donne un père, une mère et des frères au centuple. Amen. Donc, ayons le courage. Soyons déterminés de marcher dans la vérité, dans la sanctification. Nos ministres nous donne des enseignements tous les jours là-dessus.
Donc, en rentrant, cherche premièrement le royaume et la justice du Seigneur. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever, vraiment, nous allons adresser au Seigneur nos prières. Nous allons lui parler du fond du cœur. Chacun va lui parler de façon sincère. Parce que nous savons que nombreux sont appelés et peu sont élus. Nous allons pleurer au Seigneur pour lui dire, Seigneur, nous avons répondu. Parce qu'il y a des états appelés. Il y a les appelés. Il y a les élus. Est-ce que tu es déjà élu? Ou est-ce que tu es encore dans la phase d'être un appelé? Nous allons prier. Demandons au Seigneur de nous bénir comme la dernière fois. Dis Seigneur, nous voulons être des élus. Nous ne voulons pas être seulement des appelés. Nous voulons être des élus. Mais pour faire ta volonté, nous avons besoin que tu viennes encore par ton esprit nous conduire dans cette marche, nous soutenir dans cette marche. Prions, demandons au Seigneur de nous transformer, de quitter d'appeler à élu. Seigneur, nous te prions, nous prions. Demandons au Seigneur que nous soyons non pas seulement des appelés, mais des élus. Seigneur, nous voici ton peuple, Seigneur. Nous voici devant toi que tu as appelé à la vie éternelle. Et tous les jours, tu nous parles pour dire que cherchez premièrement le royaume, cherchez premièrement le salut, et le reste vous sera donné. Seigneur, ce sont des paroles que nous comprenons, mais que nous entendons, mais que nous ne comprenons pas très bien. Seigneur, parfois nous faisons les choses par notre propre force. Seigneur, parfois, nous n'arrivons même pas à bien faire. Nous te prions, Seigneur. Viens nous soutenir dans cette marche chrétienne. Mets en nous la conviction du salut. En sorte que nous serons convaincus que nous sommes des élus. Que nous quittions de la pensée d'appeler à la pensée d'élus. Et que nous marchions comme les élus marchent. Dans la sanctification. Dans la pureté du corps, de l'esprit, de l'âme. Tu nous demandes de marcher dans la lumière, Seigneur, mais est-ce que nous pouvons marcher dans la lumière? Viens donc par ton Esprit Saint nous soutenir à marcher dans la lumière. Seigneur, nous voulons, pourquoi nous marchons, pour nous voulons comment les gens sont. Mets-nous la joie de nous habiller comme toi tu veux que nous soyons habillés. Mets-nous la joie de marcher comme tu veux que nous marchions. Seigneur, quand nous sommes face à nos tentations, donne-nous la joie, Seigneur, de ne pas tomber et que nous soyons confiants. Seigneur, nous te prions. Le secours vient de toi, la force vient de toi. Ce n'est pas de notre propre volonté. Tu as dit, Seigneur, que tu es le Seigneur, que nous sommes les enfants. Sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur, voici ton peuple. Donne-nous la force. Donne-nous la conviction. Donne-nous, Seigneur, la joie d'être enfant de Dieu. Donne-nous la conviction d'être sauvés déjà. Et que nous marchions, Seigneur, tête haute. Sans compromission. Sans compromission. Sans compromission, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas regretter la vie d'avant. À ne pas être des chrétiens indécis quand nous marchons. Mais que nous croyons surtout des chrétiens convaincus et convaincants. Car notre prochain nous voit, qui voit ta gloire en nous, Seigneur Jésus. Qui voit ta gloire en nous, qui voit la conviction. Que nous aurons des paroles de conviction. Que nous aurons des attitudes de conviction. Et que nous soyons un. Seigneur, quand nous quittons le parcours, nous sommes complètes dans les transports, que nous marchions avec joie de venir t'adorer, parce que nous avons la conviction d'être élus. Seigneur, merci, parce que nous savons que tu es au milieu de nous et que tu nous as apporté de chercher premièrement le royaume et la justice, la sanctification et la vérité, marcher dans la vérité en toutes choses.
nom de Jésus. Je te bénis. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Nous allons nous lever contre tous ces esprits. Les esprits de famille qui viennent. Nous marchons, nous sommes dans la vérité, mais qui veulent toujours nous tirer en arrière, qui veulent toujours nous rappeler ce que nous étions avant. Parce que le deuxième évangile dit, avant j'étais bien. Mais j'étais bien par rapport au mort. C'est le mort qui croyait qu'il était bien. Mais celui qui est vivant aujourd'hui comprend qu'en fait il n'était pas bien. Nous allons prier. Nous allons prier pour que le Seigneur nous arme, nous donne toutes les armes nécessaires. Demandons au Seigneur toutes les armes nécessaires pour continuer à marcher. Sans que cela soit une peine, parce que quand tu sais Dieu avec une douleur, avec une peine, c'est comme si tu tirais un fardeau. Tu ne peux pas aller loin. Mais que le Seigneur nous décharge de ces fardeaux-là. Demandons au Seigneur de nous décharger des fardeaux et de nous donner les armes, de nous équiper de manière à ce que quand on marche, on se sent léger comme une plume. On a même envie de crier, mais Jésus t'aime, Jésus vous aime. Prions, demandons cela, prions au nom de Jésus. Seigneur notre Père, de nous-mêmes nous ne pouvons rien. Seigneur, nous revenons encore à toi pour te dire, Père, nous venons nous lever contre tous ces mauvais esprits, tous ces démons. Seigneur, contre tous ces esprits déchus, des esprits impurs, Seigneur, qui veulent toujours nous tirer en arrière vers le chaos. Nous refusons, Seigneur. Nous refusons, mais nous implorons ton secours. Afin qu'à ton nom, Seigneur, que nous soyons libérés du verre totalement. Que nous marchions sans regret, sans souci, avec joie. Que nous serons légers. Seigneur, nous venons prier. Toi qui es le sel. Donne-nous, Seigneur, la sève nécessaire. Donne-nous la sève nécessaire pour que nous puissions éclore. Et que nous serons verdoyants. Verdoyants de joie. Seigneur, que nous serons verdoyants et que le monde se demande mais comment ils sont verdoyants comme ça. Mais comment ils sont beaux, comment ils sont en joie. Seigneur, tu le sais. Nous sommes le serment. Sans toi, nous ne pouvons rien, nous te prions, Seigneur. Donne-nous de marcher tête haute. Donne-nous de marcher tête haute. Nous nous levons contre tout esprit, Seigneur, qui veut nous tirer à la guerre. Et nous proclamons que nous appartenons à Jésus entièrement et totalement. Entièrement et totalement, jusqu'à ta venue. Éternellement de notre vie. Alléluia. Seigneur, ton peuple prie. Merci Seigneur de nous armer, de nous donner tous les armes nécessaires par ton Saint-Esprit pour que nous allions de victoire en victoire. Que nous allions de victoire en victoire. Que nous allions de victoire en victoire face à l'épreuve, face à la tentation. Seigneur, donne-nous tous les armes, le courage, la détermination, le zèle, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Seigneur, mets en nous la détestation du péché, la détestation du mal. Mets en nous la détestation du compromis. Mais au contraire, fais en sorte, à la place, mets en nous, Seigneur, la joie aussi de te servir. Mets en nous la légèreté d'être enfant de Dieu. Le plaisir de nous sentir enfant de Dieu tous les jours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, la Bible dit de ne pas négliger les faibles commencements. Amen. Voici le faible commencement de l'Église de France. Amen. De l'Église même de l'Europe. Amen. Ne négligez pas les faibles commencements. Une graine, quand on la met en terre, c'est une graine. Mais quand ça pousse, elle devient un gros arbre, il fait plusieurs graines, beaucoup de fruits, n'est-ce pas? Amen. Voilà la graine de l'Évangile. Jésus revient en France.
l'histoire va retenir qu'ils étaient poignés, mais regardez ces ménages pleins. Remercions le Seigneur parce que c'est un privilège. C'est un privilège d'être au commencement, au début. C'est un privilège d'être dans les faibles commencements. Je vous assure, les disciples n'étaient pas nombreux quand ils allaient évangéliser. Remercions le Seigneur pour cette situation. Remercions le Seigneur pour le privilège de ce que nous serons là en ce moment. Remercions-le aussi pour ce qu'il va faire pour l'Église. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce faible commencement. Ce faible commencement, Seigneur Jésus. Ici en France, Seigneur, regarde le nom. Mais toi, tu ne regardes pas au nom. Tu regardes au cœur. Tu regardes au cœur. Parce que c'est dans ce petit nombre, Seigneur, que le grand nombre va arriver. Tu as dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Je ferai de toi. Je ferai de toi une grande nation, une multitude. Oui, Seigneur. Oui, tu as honoré. Aujourd'hui, nous sommes aussi héritiers d'Abraham dans la foi. Par la foi, nous sommes aussi les descendants d'Abraham. Seigneur, c'est dans cette logique-là, c'est dans cette pensée prophétique, Seigneur, que nous prions afin que la bénédiction d'Abraham, la bénédiction qui était rattachée à Abraham, soit aussi notre partage ici. Soit aussi le partage, Seigneur, de l'Église de France, afin que l'Église de France, Seigneur, de l'Église de France, naisse une multitude de chrétiens élus, de chrétiens élus, de chrétiens de qualité, de chrétiens de sainteté, de chrétiens saints et de chrétiens de sainteté. Seigneur, nous ne demandons pas le nombre pour remplir la salle. Nous te demandons des élus, fais venir des élus pour que nous soyons remplis d'enfants de Dieu authentiques qui viennent à toi parce qu'ils veulent être sauvés. Parce qu'ils cherchent premièrement le royaume et la justice de Dieu. Seigneur, nous te prions. Écoute la prière de tes enfants. Seigneur, envoie dans ta bergerie ceux qui sont sauvés. Ceux qui sont sauvés, envoie-les dans cette bergerie. Envoie-les dans cette bergerie, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci parce que tu nous as permis de voir les faibles commencements. Merci parce que tu nous permets d'être dans les faibles commencements. C'est un privilège, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que tu as encore des brebis et que tu vas les ramener à la bergerie. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour la vie de nos frères et ma soeur ici présents. Merci pour tous ceux qui sont là. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons prier encore. Nous allons prier pour le frère Jean-Baptiste. Parce que ça me revient, le frère Jean-Baptiste. Prions pour nous, pour le frère Jean-Baptiste. Prions aussi pour tous les serviteurs parce que il y a un truc qui se joue. J'ai failli ne pas aussi être là aujourd'hui, jusqu'à une certaine heure, très tard. Quand je voulais couper le pied, ça me marquait même qu'il n'y a plus de place, il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Jusqu'à très tard, l'ennemi, mais nous on a la victoire au nom de Jésus. Amen. Prions pour les serviteurs, prions particulièrement pour les serviteurs, le frère Jean-Baptiste, pour que le Seigneur nettoie, parce que c'est son œil, que le Seigneur nettoie ses yeux par le sang de Jésus. Prions au nom de Jésus. Nous mettons en devant toi, toi qui es le médecin par excellence. Seigneur, toi qui donnes la vie aux aveugles, tu as vérifié la terre. Et tu nous as salué, tu as placé sous les yeux de cet aveugle-là. Et tu lui as dit, ouvrez ses yeux, il a lavé ses yeux. Il a lavé ses yeux. Et ses yeux sont ouverts. Seigneur, ton serviteur a un problème des yeux en ce moment. Nous te prions, Seigneur Jésus, de guérir ses yeux, de faire en sorte que le produit qui est entré dans son œil, Seigneur, que ce produit soit nul et sans effet maintenant au nom de Jésus. Que ce produit soit nul et sans effet maintenant au nom de Jésus. Que ce produit soit dans son œil nul et sans effet au nom de Jésus. Mais que sur ses yeux redeviennent propres, que ses yeux redeviennent clairs, que ses yeux redeviennent tout blancs. Et qu'il puisse retrouver sa vie normale. Ô Seigneur, nous te prions pour ce feu au milieu de tes enfants,
qui vienne, ce feu qui vient nous éprouver. Seigneur, c'est toi le vrai feu. Tu es le feu dévorant. Tu es le feu qui éteint le feu. C'est pourquoi nous implorons ton feu, Seigneur, afin que ce feu soit éteint par ton feu à nous et que nous soyons embrassés, Seigneur. Nous soyons embrassés par ton feu et que ce feu soit un petit feu sur lequel nous allons marcher pour l'éteindre, Seigneur, parce que ta parole doit avancer, parce que l'évangile doit avancer, parce que tu nous as donné la victoire, tu nous as donné la puissance sur toutes les œuvres du monde et des ténèbres. Oui, Seigneur. Nous allons exercer cela maintenant, avec autorité. Oui, Seigneur, nous allons vaincre ces rêves parce que nous avons Jésus en nous. C'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.